Coucou à tous et bienvenue pour cette petite vidéo Actu Sims, puisque oui, vous l'avez peut-être pas remarqué, enfin si, je pense que vous l'avez remarqué, l'un trailer spécial gameplay pour View Ranch est sorti il y a quelques heures. Moi, bah, le temps de rentrer au boulot, bah ça, tout ça, tout ça, couffin, patin, couffin, vous savez ce que c'est, hein. Voilà, je vais le regarder, on va l'analyser, et puis n'hésitez pas à liker, et à commenter, et à partager, et ouais, allez. Tout de suite. C'est parti pour le trailer gameplay. I'll admit it. My introduction to Chestnut Ridge was a little rocky. I had to learn just how much work it takes to live a real ranch life. Vu qu'il parle en plus, j'avais oublié que ça parlait les Sims. Cette vue, elle est dingue. Cette vue est dingue, clairement. Donc là, on voit des trucs, machin. Without my friend Sienna, who knows where I would have ended up. She's the horse trainer and owner of the equestrian center in town, where all the competitions like barrel racing and jumping take place. Ah ouais, les animations chevaux, elles sont bien faites quand même. My horse is super friendly. She put up with all of my horsing around while I learned how to ride. Some horses wouldn't have been as patient with a new rider. Once in a while, there are more aggressive or defiant horses. Une couronne de fleurs pour les chevaux. Je vais être jalouse. But the closer you are with a horse, oh mon dieu, oh my god. You'll see folks mounted up pretty much everywhere, going on long rides out in the park or through town. Horses need a lot of space too. When we got Sage, we ended up redesigning our property to make space for her. Wow. What else were we gonna do? She's part of the family. Sometimes I'll head over to my friend Umber's place to help out when the family members Le monde est beau quand même, hein. Il est joli, hein. How cute their foal is. Oh, trop mignon. She definitely inherited her mom's friendly nature. If you do decide to adopt a horse, know that it takes work to meet all their needs and keep them happy. Je sais pas si du coup, on peut pas avoir de on peut que les adopter, on peut pas les reproduire, je crois. And if you have other animals like mini goats and sheep, well, it can be a lot all at once. Et c'est bleu. Ah, ils vont compter les moutons pour s'endormir. They're great at everything, from tending our nectar crops to picking up manure. Just hit up a community board to hire one. You can also check out any horses up for sale. Je pense que ça va être dingue le fait de s'occuper d'un cheval, ça va être fou. That's how I rescued Sage. All that hard work really starts to feel good when you realize how far you've come. Petite piquette. When I first started making nectar, I wasn't great at it. Ouais, enfin, nectar, elle est crade comme ça, moi j'en veux pas, hein, c'est dégueu. Ah bah, tu m'étonnes que c'est dégueulasse, meuf. Prends toutes les bouteilles, wesh. J'aime bien ce qu'ils appellent ça nectar alors que c'est juste de la vinasse, quoi. Old Roberto Crinkletop even shared his secret recipe with me. But I'll take that to my grave and beyond. He's actually very nice, if a little odd. Sometimes he shows up to hit the dance floor, but no one really knows where he lives. I think he likes it that way. Ah, et lui, il a un secret. Oh, la méga tondeuse pour les... Everyone out here has an interesting story. J'ai pas le temps de finir ma phrase, mais c'est bon. Maybe it's time to start your story too. Ah ouais, ouais. Ouais. Ok, donc... Aussi, l'occasion de vous de redonner l'information, si vous voulez avoir ces trois objets, il faudra commander View Ranch avant le 31 août. Donc ça vous laisse quand même du temps pour économiser un petit peu par-ci par-là. Sachant qu'en plus, j'aurai sûrement un code à vous faire gagner, donc restez connectés. Donc let's regarder de nouveau un petit peu plus lentement. Donc là, on la voit chevaucher son cheval, elle n'est pas du tout rassurée. Je pense que ça, c'est au début du fait de la compétence équitation ou je ne sais quoi. Alors il y a encore le coup de not all image appears in game, donc c'est tout ce que vous voyez est sujetti encore à être changé à la sortie du jeu, donc restez zen, tout va bien se passer. Alors là elle traverse un petit truc, ah oui le cheval je sais plus comment on dit, il rabroue, je sais pas quoi. Donc elle dit que ça s'est pas super bien passé quand elle est arrivée ici, on voit cette... Ah oui c'est une tête de cheval, j'avais pas fait attention. Oh c'est une grande maison, il y avait un air d'avoir un grand truc derrière, hein, ici. Ça doit être un méga terrain peut-être. Donc là, ah, on pourra changer les fers et compagnie. Bah en même temps ça me paraît logique, mais voilà, on le saura. Le jus, non mais wesh, moi elle est dégueulasse, moi c'est pas possible ça, moi j'achète pas. Hein. Après le cheval, il est très beau, les mouvements sont très fluides, c'est très très joli. Ce point de vue, là,
C'est un peu une carte postale, hein. Clairement, je trouve que le monde, il est très joli, du coup, hein. Clairement, ça donne envie, hein. Ici, donc, elle est en ville. On voit la statue du cheval tout coloré, tout ça. Et on voit un peu plus des choses et des personnes, des vêtements. Ouf, alors, un truc vache, quand même. Faut peut-être pas déconner, quoi. Qui porte ça dans la vraie vie? Qui? Et d'autres vêtements et d'autres coiffures et un truc arc-en-ciel, je sais pas quoi, pour les bébés, là. Ouais, bébé bambin. Ici, on voit l'animation du saut, qui est très très belle. On voit les prix qu'on pourrait gagner, je pense. Ça, c'est les prix, médailles d'argent, de bronze et d'or, pour différentes... Ah ouais, donc ça doit être, je sais pas, genre... Là, il y a obstacle, là, il y a le trot, et là, il y a les tonneaux. Donc peut-être qu'il y a trois compètes pour lesquelles on peut avoir des prix. Là, c'est carrément l'entraînement du cheval, avec juste sous ma tête... On voit l'espèce d'abreuvoir. Bon, bien sûr, à chaque fois, on voit des choses nouvelles. Je ne vais pas tout détailler, les fenêtres, les porches, les papiers peints, les colonnes, les clôtures, etc. quoi. Bon, sauf ces deux plantes-là. Celle-là, on connaît. Et puis cet arbre-là aussi, on connaît. Donc là, on voit le coup du tonneau. Il y a encore des progrès à faire. Ici, eh ben aussi. Il faut lever les pattes, hein, messieurs. Oula, oula, lui, il a carrément pas voulu sauter. Par contre, le cheval est très beau, hein. C'est vrai que les chevaux sont très beaux, je trouve qu'ils collent bien à l'univers des Sims, ils sont dans la même trempe. Hein. Donc là, on la voit galérer à monter sur sa selle. Le cheval, il dit « Comment ça ? Mais je veux personne sur mon dos !» Et chpain. Alors, nouvelle mort ou pas ? Est-ce qu'on peut se faire écraser, piétiner par un cheval ? J'aimerais bien. Ce serait cool, en vrai. Ce serait très très cool. Genre si on l'énerve ou quoi, ou tué par une biquette ou un mouton, comme on a déjà eu la poule ou le lapin, hein, donc clairement, c'est possible. Hein. Regardez-moi ça, c'est trop cute, la couronne de fleurs pour les chevals. Et la petite biquette. Ouais, trop mignon. Oh, le cheval ici, il a les flammes et tout, monsieur. C'est un metal rock and roll. C'est un rebelle, donc son cheval est rebelle aussi, comme lui. Puis il est même tatoué son cheval, comme le monsieur. Alors bon, je suis pas forcément pour les chevaux, les tatouer, les pauvres, hein. On leur a pas demandé de souffrir non plus. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Il y en a pour tous les goûts. Après, voilà, le pantalon avec les franges et tout. Chacun son truc. Alors ça me fait peur. Par contre, on a le truc là de Barbie pétasse, donc elle sera contente. J'ai pas envie de commenter, parce qu'après on va dire que je suis méchante. Donc on va passer à la suite. Là c'est câlin à son petit cheval. Il y a l'air d'avoir... On dirait que c'est dans le monde en fait, que c'est pas spécifiquement sur un terrain. Et on peut quand même apprendre ici à faire des trucs, des tonneaux et tout. En soi c'est cool, parce que si on a un petit terrain ou pas forcément les moyens, qu'on ait toutes les économies à acheter un cheval... On pourra le faire exercer là. Ici, on voit... Ah bah tiens, parlant de Barbie pétasse, là, voilà. On voit le monde un petit peu, hein, se balade. Donc, ici, encore une autre place. Ça on l'avait pas vu, ce côté ici. Avec, on dirait un petit resto. Ouais, on dirait un resto ou un café ou un truc. Parce que ce sera pas un restaurant, ce sera forcément un bar ou un café. Et hop, on a fait pousser une petite pseudo-grange pour le cheval. On voit bien qu'il mange. Cette fois-ci, le cheval va vraiment manger dans la mangeoire. Hein. Pas comme la vache ou le lama qui, en fait, on les voit pas manger. Sauf si on leur donne à la main, on les voit pas manger dans la mangeoire. Donc ça, c'est cool, au moins, on voit quelque chose. Enfin voilà, le cheval va pas disparaître dans un objet. Ça, c'était un peu la peur, je pense, de tout le monde. Et a priori, c'est pas le cas. Hein. Mais ça magnan. Donc ouais, je pense qu'effectivement, on n'a pas... je sais pas. Après, ils disent qu'elle a hérité du trait friendly, donc je sais pas. A priori, on peut quand même avoir des grossesses de chevaux. Mais ça, je testerai, clairement. Regardez-moi toutes ces biquettes-là de l'amour derrière. Incroyable. Et puis, ils ont même leur babale, les chevaux. Hein. Bah ouais, les chats, ils ont leur babale. Oh, et tous les crottins. Mais pourquoi les crades comme ça? Et les petits moutons bleus. Peut-être qu'il y aura les mêmes friandises qu'on a avec Vie à la campagne. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe un truc chelou. T'as le gamin, il part dessus, il se casse la gueule. Peut-être qu'on aura avec les mêmes friandises que Vie à la campagne, donner les trucs, avoir le lama qui devient arc-en-ciel, ou la vache et compagnie.
Puis après, on récolte la laine qui est de couleur, ou le lait de couleur et compagnie. Quoi. Mais la petite brebis, j'adore trop, quoi. Et là, ils peuvent compter les moutons pour dormir. Ouf, ouais. Faut pas que je fasse trop ça, sinon je vais m'endormir aussi. Alors, parlons peu, parlons bien. La vinasse. Hein, vous préférez quoi, vous? Le blanc, le rouge, le rosé? Moi, c'est le rosé corse. Aïe, aïe, aïe. Si vous m'invitez un jour, rosé corse. Moi, je bois pas, sinon. Non, alors du coup, le vin, enfin le vin, le nectar, comme ils disent, hein, le nectar, évidemment, mais bon, il y a pas d'alcool dans les Sims, hein, ce serait trop beau. Bon, a priori, il y a du vin, mais est-ce que, enfin, du raisin, est-ce que c'est du même raisin ou pas? On sait pas, s'il y avait des différences comme il y avait dans les Sims 3. Bonne question, je sais pas du tout. Je voulais voir ce bâtiment ici, qui m'a l'air, encore une fois... Je sais pas s'il est constructible ou pas. J'ai des doutes. J'ai des doutes parce que vu la gueule des toits, les fenêtres qui sont pas transparentes, tout ça. Oui, a priori, le raisin, je sais pas s'il y en a différentes choses. Après, peut-être qu'on pourra faire du nectar avec un peu de tout, hein, avec du raisin, mais aussi avec des oranges, avec, je sais pas, des pastèques. Ouais. Alors, par contre, le jean qui trempe, les pieds qui puent... C'est un nom pour moi. M'étonne que ce soit dégueulasse, meuf, en même temps. Alors, on voit bien toutes les bouteilles, en fait. Toutes les bouteilles, et à chaque fois, il y a des étiquettes différentes. Donc, est-ce que ça veut dire que... Oh, avec une lune. Peut-être que s'il y a une lune avec quelque chose. Les champignons, moi, j'en sais rien. Les champignons via la campagne ou les fleurs de loup-garou. Peut-être il faut tester. Ou alors, soit c'est aléatoire, soit il y a vraiment une corrélation entre ce qu'on y met... Ou une façon de faire, parce que oui, voilà, il y a de la fraise, il y a du raisin et de la pomme. Donc on peut réellement faire des goûts différents, ouais, c'est ça, ok. Alors lui, il a l'air d'être mystérieux, Roberto Crinkletop. Après Crumplebottom, c'est Crinkletop. C'est peut-être lié à Agnès à dentelle, hein, on sait pas, hein. Alors, il lui a donné le secret pour faire des bons nectars, c'est-à-dire se laver. Alors, j'avais pas capté les chevaux... Fantôme. On voit la tombe d'un cheval. Oh, ça va être horrible de perdre son cheval, je pense. Comme les animaux, quoi. Et là, bon, bah, le mec, il danse, il donne des coups. On revoit encore quelques éléments du décor également. Les vêtements, les coiffures. Le fait qu'on puisse tondre le petit mouton. Que le petit cheval, il fait joujou avec son gros ballon de foot. Et la nouvelle danse. Voilà. C'est tout pour ce trailer gameplay. Bah, ouais, regardez ça, c'est un truc qui est construit. Ça, c'est du décor. J'ai peur que ce gros truc-là qu'on avait vu soit du décor aussi. Hein. Bon, ça, on verra bien avec le temps. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez vu et remarqué qui vous a l'air de vous plaire. N'hésitez pas non plus à aller voir dans l'onglet communauté, puisque je vous ai posé la question sur qu'est-ce que vous voudriez que je teste. Alors, outre le gameplay... En le sens gameplay pur et dur avec une histoire. J'ai déjà une histoire en tête. Vous êtes beaucoup à me demander des histoires complètement différentes. C'est sûr que je pourrais pas le faire, hein, clairement. Mais je sais déjà ce que je vais tester plus ou moins. Des tests sur gagner de l'argent. Des tests tout simplement sur l'équitation et compagnie. En tout cas, si vous avez des petites idées un peu folles, n'hésitez pas. Ce sera dans les commentaires. Soit ici, soit dans l'onglet communauté. En attendant, je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.